je t'ai croisé avant le match. Tu viens de finir ton premier match face à LeBron James et tu étais tout sourire avant le match. C'était un truc que tu avais coché sur ton calendrier de jouer contre LeBron James. Ouais, franchement, je le suis depuis que je suis tout petit. C'est une légende du basket, c'est mon joueur préféré. Et voilà, mes premiers pas sur le terrain face à lui, ça fait quelque chose. Et voilà, maintenant on est adversaire. Ouais, le match a été compliqué, on ne va pas spécialement revenir dessus, mais on va revenir sur ton bon passage en ce moment. Phoenix a décidé de couper Canaan. C'est aussi pour te faire de la place, pour te faire confiance, c'est ce qu'on t'a dit, c'est comme ça que tu l'as pris? Ouais, je pense, c'est ça, c'est me faire jouer davantage, me faire progresser et apprendre. C'est quand on joue les matchs, c'est quand on est face à des adversaires, quand on fait des erreurs. Et je pense que c'est des points positifs et moi je suis épanoui et je travaille dur pour progresser le plus vite. Il y a peu de temps, tu as fait ton meilleur match en carrière face aux Clippers. Ça a été quoi le retour qu'ont eu ton coach, qu'ont eu tes coéquipiers de te voir saisir ta chance comme ça très vite? Oui, c'est vraiment content pour moi de me voir agressif sur le terrain, de jouer à fond, d'aider l'équipe au maximum. Et voilà, mais ça fait partie qu'un seul match. Il y en a 82 dans la saison. Il faut essayer d'être consistant et d'apporter un maximum à l'équipe et progresser individuellement aussi. C'est une équipe très jeune. Le leader, c'est Devin Booker. Il y a DeAndre Ayton, il y a Mikal Bridges, il y a toi, il y a Josh Jackson. C'est le bon environnement, le bon roster pour toi qui vient d'arriver à NBA? Ouais, je pense qu'on apprend tous les jours, qu'on ait 15 ans dans la ligue ou un an. Mais c'est vrai que c'est un peu comme une bande de potes, on a tous à peu près le même âge. Mais on a aussi des vétérans comme Jamal Crawford ou Trevor Ariza qui nous donnent beaucoup de conseils et qui nous apprennent beaucoup tous les jours. Quand tu sors du banc, ça décale Devin Booker en poste 2. Quelle relation tu as avec lui sur et en dehors du terrain? On discute beaucoup, on échange, il est vraiment sympa, il me donne beaucoup de conseils. Et après sur le terrain, on essaye vraiment d'être complémentaires, c'est-à-dire le faire jouer sans la balle au poste 2 pour qu'il soit plus agressif sur certaines situations et moi le trouver. Et voilà, on essaye de trouver cette alchimie et de progresser ensemble. Il y a un autre rookie comme toi dans cette équipe, c'est DeAndre Ayton, sur qui il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un petit peu trop d'attentes autour de lui et qu'on doit être un peu plus patient? Je pense qu'il faut, être patient avec tous les jeunes qui arrivent en NBA parce que les Américains, ils sortent de collège, donc ils ont joué qu'avec des gens de leur âge, ils n'ont jamais connu le monde professionnel. Pour ceux qui viennent d'Europe, on a connu le monde professionnel, mais la NBA, c'est quand même le meilleur championnat du monde. Et quand on arrive, c'est vrai qu'on découvre, il y a un temps d'adaptation plus ou moins long chez certaines personnes. Et sur nos premières années, c'est le développement, c'est apprendre, et c'est ce que font les équipes pour nous. Ils nous développent, on apprend avec les joueurs, nos entourages, les adversaires, et voilà, c'est du positif. Quand tu parlais de venir de l'Europe, c'est un petit peu la mentalité du coach Igor Kokoskov. Avec Thomas, on s'est fait la remarque, il y a beaucoup de formes de jeu qui nous rappellent un petit peu l'Europe. Toi, du coup, t'as l'air de bien t'éclater dans ces formes de jeu-là. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de formes de jeu, mais c'est vrai que le jeu ici aux États-Unis, c'est beaucoup courir, la transition, pousser la balle, aller de l'avant. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un peu plus ça quand même pour avoir des points faciles, mais ça commence aussi avec la défense. Faut qu'on défende correctement pendant 48 minutes pour pouvoir avoir ces paniers faciles et s'épanouir et jouer de la meilleure manière en attaque. Quelle relation tu as avec ce coach-là? Je l'ai vu beaucoup te parler sur les deux matchs qu'on a pu voir, que ce soit face aux Clippers ou face aux Lakers. À un moment donné, même face aux Lakers, il a pris un temps mort sur une attaque qui ne lui a pas plu. Il est venu te parler. Quelle relation tu as vraiment avec lui? C'est-à-dire que c'est la relation coach et meneur. C'est lui qui me donne les systèmes et moi je les transmets à mes coéquipiers. Et c'est vraiment une relation où il m'explique les choses, il m'apprend. Moi, je lui dis ce que je vois aussi sur le terrain, ce qui se passe, ce que je pense qui est bon, ce que je pense qui est moins bon. Et voilà, j'apprends beaucoup et il me donne beaucoup de conseils et il me parle beaucoup. On parlait avant d'enregistrer, on parlait du rythme de vie qui est d'un joueur NBA. C'est-à-dire qu'on n'est plus en proie, où là, c'est vraiment, tu me dis, dans 20 minutes, là, tu repars, t'as un nouvel avion, il y a des back-to-back, tu arrives à 2 heures dans des villes, tu fais de la vidéo, il y a un match derrière. Tu arrives à t'adapter rapidement à ce rythme un peu fou. Ouais, je pense parce que pendant la pré-saison, on se prépare bien physiquement en fait, donc
Donc je pense que je me suis adapté assez facilement. Après, c'est vrai qu'il y a eu des gros road trip où j'ai pas forcément beaucoup joué, donc j'ai pas forcément la fatigue du match. Mais ouais, je pense que je m'adapte petit à petit. J'espère pas tomber sur le fameux rookie wall comme appellent les gens. C'est en février en général, tu as le temps de voir venir. Ouais, c'est ça. Donc faut se préparer, faut prendre soin de son corps, se reposer, manger de la meilleure des manières et s'entraîner correctement pour pas avoir de risque de blessure ou d'être moins performant. J'ai envie de te parler de Frank Ntilikina, qui est meneur comme toi, qui est français. Et en ce moment, on en parle beaucoup. Tu regardes un petit peu ce qu'il fait à New York ? Bah ouais, hein, je connais Frank depuis pas mal de temps. On s'est au téléphone récemment, on s'écrit souvent aussi. Et voilà, je pense qu'il travaille très dur dans son coin. Là, je pense qu'il a pas beaucoup joué récemment. Mais voilà, il a la tête sur les épaules, il travaille dur, il sait ce qu'il veut et je me fais aucun souci pour lui. Dernière question, l'équipe de France, tu as vu qu'elle s'était qualifiée pour les championnats du monde. Tu as ça en tête, l'équipe de France aussi, c'est un truc auquel tu penses, même si l'été, des fois, on sait que les rookies sont rappelés par leur franchise. Ouais, ce serait un rêve de pouvoir représenter son pays pendant la Coupe du Monde. Et j'aimerais vraiment y participer. Mais là, après, c'est vrai que je suis concentré sur la saison, moi individuellement et aussi l'équipe pour progresser et gagner des matchs. Merci beaucoup, on va suivre ça attentivement avec la First Team, ta progression. Merci Élie.